Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Enfin, deux bonnes nouvelles hein, si on arrive directement au dénouement final. Kwayang, ça n'existe plus. Hein. Enfin, ça existe toujours mais ça ne sert plus à rien puisqu'il permet désormais de télécharger que des applications qui sont déjà gratuites sur l'Apple Store. Ceux qui ont été payantes sont disparus du serveur. Ce qui est ma foi plutôt con. Parce que ça commençait à être plutôt pas mal, hein. Tout le monde utilisait ce logiciel, voilà, bien. Si bien qu'il y en avait pas mal de problèmes de connexion, hein, parce que j'ai téléchargé qu'une seule application, tout le reste du temps ça buguait, bon, c'est mon problème à moi. On va pas aller plus loin. Mais heureusement, il y a un nouveau logiciel qui a une interface meilleure, beaucoup plus. Bon, en fait, il a tout l'App Store hein, finalement, il a l'iTunes Store aussi intégré dedans. Il a la possibilité de mettre à jour les applications qui n'étaient pas disponibles dans Kwayang, ça. Et quand j'ai une interface plus fluide et meilleure, c'est pour les Chinois, parce que nous, ça reste toujours du chinois. C'est pour ça que j'ai demandé quelques mots de vocabulaire à Thomas pour que je puisse faire cette vidéo et que donc je puisse traiter au mieux ce logiciel. Donc, ce logiciel, lorsqu'on le lance, ça donne ça. Donc, vous tombez sur cette page. Donc là, ça. Bon, moi, j'ai pas un iMac, hein, c'est pas vrai. Hein, c'est. L'image que ça montre à tout le monde. Donc branchez votre iPhone à votre ordinateur. Donc moi si je le branche, voilà. On devrait patienter un petit peu et ça devrait déjà s'afficher. Voilà, donc ça va s'afficher. Là il va y avoir l'explorer de fichiers qui va venir m'emmerder. Dans les secondes à suivre, bingo. Allez, ferme-toi, dégage, boost. Je veux pas de toi. Et donc ici, normalement, vous avez votre iPhone ou votre iPod, bien iPad, qui s'affiche. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps, sachant que je vous l'ai déjà dit que la vidéo, que mon logiciel de vidéo prend pas mal de RAM sur mon ordi, et j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc ici, on voit iPhone Association, donc c'est mon iPhone. Je crois que c'est un iPhone 4S, voilà, qui 6.0.1, 16% de batterie, etc. En bas, normalement, il va y avoir, ça va se remplir comme dans iTunes, le logiciel iTunes finalement, voilà. Donc 14,76, 77, ouais. Bon. Ici, vous pouvez renommer votre iPhone. Ici, vous pouvez rechercher quelque chose dans l'iPhone. Bref. Tant que j'y suis dans cette catégorie, eh bien, je vais y rester pour le moment. Donc ici, vous avez tout ce qui se trouve sur votre iPhone. Donc les jeux, tout ça. Oui, que les applications, bien sûr. Applications et jeux. Donc ici, vous, si vous choisissez une application, vous pouvez la supprimer, vous pouvez la mettre à jour. Mais ce que je vous conseille, si vous voulez mettre les applications à jour, c'est directement d'appuyer ici. Et vous avez toutes les applications que vous devez mettre à jour. Vous avez juste à cliquer là et ça mettra tout à jour. Voilà. Vous avez ici les musiques, vous avez les films, tout ça. Bon, après, je ne vais pas faire toute une catégorie là-dessus, sachant que qu'il y a les icônes qui sont là pour vous aider. Après, vous avez les paramètres, mais ça, il n'y a rien à faire. Donc, vous n'avez pas de réglage à faire. Donc, je vous conseille de les masquer comme moi. Voilà. Pour éviter de faire des bêtises. Et vous avez le fameux store rempli à mort. Donc voilà. Avant de pouvoir télécharger des applications ou quoi que ce soit, il va falloir activer votre iPhone par le logiciel. Donc par exemple, si je suis là ou là, voilà. Donc quand vous avez en haut un bouton qui vous permet d'activer donc pour pouvoir télécharger des applications. Donc si je clique en haut, il faut attendre quelques instants. Et voilà, ça l'a activé normalement. Voilà. Donc maintenant, je peux télécharger les applications que je souhaite. Donc ici, vous avez bien sûr des petites images qui s'affichent, tout ça. Alors, vous avez des catégories en haut. Donc, dans, moi, j'ai avant de venir aux catégories, il y a 4 catégories ici. Donc ici, vous avez l'iTunes Store, donc avec les musiques, tout ça. Donc c'est en chinois, c'est normal. Mais vous, normalement, si vous tapez un titre de musique en français, ça devrait l'afficher. Soit en nom chinois, soit en nom français. Voilà, donc, enfin en nom courant, parce qu'il y a des musiques qui sont anglaises, bien sûr, si vous n'allez pas taper la traduction pour trouver la musique, c'est complètement con. Comme idée, mais bon, ça existe, il y a des gens comme ça. Si par exemple ici je tape Gangnam Style, par exemple, et que je recherche, ça va me trouver normalement Psy Gangnam Style. Là on voit que c'est en train de rechercher et voilà ça me retrouve les musiques. Donc ici vous pouvez les télécharger directement ou les écouter avant de les télécharger, ce qui est plutôt pratique si vous avant de télécharger une merde.
Ça, c'est du côté de l'iTunes Store. Donc voilà. Donc après, vous avez. Si je regardais les traductions, donc via Thomas, donc c'est pas très fiable, mais bon. Ici, ça veut dire Apple Store craqué, Apple Store signé par Apple, Apple Store d'origine. Voilà, bon, les trois se ressemblent. Donc moi, je vous conseille de rester sur l'Apple Store signé par Apple, parce que les autres sont les mêmes, et puis c'est celui-là qui est le plus pratique à utiliser. Donc vous avez quatre catégories en haut. Une ici qui est le menu Home, donc de cette catégorie. Ici, donc c'est le menu, tout simplement. Ici, vous avez les applications. À côté, vous avez les jeux. Et ici, vous avez le website. Donc, le lien pour aller sur le site de ce logiciel. Donc, moi, je vais retourner au menu. Comme ceci. Voilà. Et donc, en bas, vous avez aussi d'autres catégories. Donc là, vous avez les utilitaires ici. Là. Ici, normalement, vous avez AI. Bon, rien. Voilà. Donc vous avez les utilitaires ici, vous avez les applications, vous avez les jeux, vous avez ici les passe-temps, ici vous avez les logiciels d'entreprise, et ici vous avez... excusez-moi, je suis affreusement désolé. Ici vous avez les utilitaires, ici vous avez les applications de photos, vidéos et musique, voilà c'est ça. Donc c'est tout à fait ça. Ici vous avez les jeux, donc, exact, et ici vous avez les passe-temps, donc temps libre, voilà, donc cuisine, tout ça. Ici c'est logiciel d'entreprise, voilà, et après c'est les autres catégories. Voilà, donc c'est un peu flou, mais bon, je m'excuse, mais voilà. Alors après, vous avez aussi ici en haut, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, une barre de recherche qui vous permet d'installer ce que vous voulez. Donc si par exemple, je tape, j'ai vu une application tout à l'heure qui prenait pas beaucoup de place et qui était payante. Donc on va faire un exemple, Bridge, qui m'a été vivement conseillé par mon prof de techno, que je n'en remercie pas d'ailleurs, parce que cette application est bidon. On va pas rester là-dessus, donc là, je clique sur Bridge. Si vous pouvez cliquer là-dessus, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne sais pas lequel c'est téléchargé ou supprimer, etc. Donc... ici vous avez la version iPod ou iPad, iPhone ou iPad, vous cliquez. Donc on sait qu'iPhone et iPod c'est la même chose, donc vous inquiétez pas. Vous allez en bas, vous cliquez ici sur télécharger. Et ça vous voyez ici qu'il y a un petit 1. Et oui, c'est que le logiciel, le jeu, l'application est en train de se télécharger. Donc au départ ça va un tout petit peu ramer, après ça va prendre. Ne vous inquiétez pas, ça prendra pas 48 minutes. Hein. C'est pas vrai, ça va se rectifier après. Voilà, donc... le temps bug un petit peu, mais là j'atteins les 48 mégabits par seconde parce qu'il y a d'autres personnes qui ont téléchargé là-bas. Bref, c'est pas grave. Donc, ici c'est dans la catégorie l'écran là. Vous avez ici des téléchargements actifs. Ici, c'est les applications qui ont été téléchargées, qui sont en train de s'installer ou qui ont été installées. Ça dépend de la petite icône. Après, vous avez là, c'est tout. Là, c'est pour iPhone, iPod, iPad, etc. Ici vous avez vos musiques et ici vous avez tout ce que vous trouvez sur votre iPhone ou que vous voulez synchroniser sur votre iPhone. Enfin, vous voyez que ça prend 5 minutes mais bon, elle prend 47 mégabits quand même. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce logiciel, pardon, donc qui est fort pratique et fort bien utile. Un dernier petit truc à dire, c'est n'oubliez pas, oui, d'activer ici votre iPhone avant de télécharger quoi que ce soit, parce que sinon ça va vous demander votre Apple ID. Donc lorsque vous le taperez, ça vous dira cet Apple ID n'est pas compatible ou ne peut pas être utilisable que pour les achats. Donc voilà. Et vous risquez de vous faire bannir si vous le faites trop souvent. Et bien c'est tout. Donc cette vidéo est terminée. Donc j'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite une agréable soirée. Au passage. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle prend 30 secondes, donc vous avez dû la voir au début de la vidéo. Nous avons changé d'intro et voilà. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'intro ou de la vidéo dans les commentaires. Vous pouvez mettre un pouce vert ou un pouce rouge, ça dépend ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les autres vidéos. Et moi, en attendant, je vais vous dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!